J'ai la chance d'être père et grand-père, donc un de mes souhaits, c'est de laisser une terre vivable pour mes petits-enfants. Et puis, de pouvoir avoir donc cette garantie dans la restitution. Alors, on a fait quelques propositions ce matin et j'espère qu'elles seront entendues. J'espère même que le gouvernement pourra venir rendre, comme les séances de questions au gouvernement sont réalisées au niveau de l'Assemblée et du Sénat, venir rendre des comptes devant l'Assemblée citoyenne sur nos dispositions ou nos propositions qui ont été retenues et qu'on puisse discuter avec le gouvernement sur ce qui n'a pas été retenu et ce qui a été retenu. Les retours déjà, on voit que nous sommes tous partants, motivés. L'organisation, on sent qu'il y a un débat démocratique qui s'installe, hein, on échange beaucoup, tous les avis sont entendus, pris en compte. Maintenant, effectivement, on sent cette petite crainte sur ces premières journées sur la pertinence pas la pertinence, mais la prise en compte de nos propositions. Et on s'interroge beaucoup sur ce qui en sortira et comment ce sera retenu et décliné au niveau national pour faire en sorte que les choses évoluent.